Bonjour à tous, bienvenue, je suis Lucas Barrier et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de notre persévérance. J'aimerais qu'on parle de notre capacité à se dépasser quand les difficultés arrivent et nous bloquent dans nos idées et dans nos projets. Je suis persuadé que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies, que nous avons un potentiel en nous qu'il nous suffit de développer. Mais nous sommes les seuls décisionnaires pour développer ce potentiel. Chacun de nous, tout au long de notre vie, nous avons des difficultés, nous avons des freins, nous avons des stops, nous avons des projets que nous n'arrivons pas à mener à terme avec différentes difficultés qui se posent à nous. Et bien, face à ces difficultés, que tout le monde connaît tout au long de sa vie, nous avons un choix à faire. Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est tout simplement d'abandonner. C'est tout simplement de jeter à la poubelle ses idées, de jeter à la poubelle ses projets, de se dire que notre but ne sera jamais atteint. Ça, c'est votre premier choix. C'est-à-dire abandonner, capituler. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième choix. Le deuxième choix qui est de persévérer. Le deuxième choix qui est de tenir, qui est de résister et qui est de continuer à aller de l'avant. Peut-être que vous, aujourd'hui, derrière votre écran, vous êtes en difficulté sur un projet, vous avez eu une mauvaise nouvelle, vous êtes déçu. Faites ce choix. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui abandonnent leurs idées, qui disent non à leur projet, alors que leur projet et que leur idée est bonne? Ou est-ce que vous préférez être de ceux qui se dépassent, qui sortent de leur zone de confort et qui vont atteindre leur but malgré les difficultés? J'insiste, tout le monde dans la société actuelle a connu des difficultés, a connu, connaît actuellement ou va connaître des difficultés. Les grands de ce monde également ont connu des difficultés. J.K. Rowling au moment de publier son livre, Charles Aznavour au moment de lancer sa carrière de chanteur, Walt Disney quand on a critiqué son manque d'imagination. Ces gens-là ont décidé de tenir, ont décidé de persévérer, parce qu'ils croyaient en leurs idées, ils croyaient en leurs projets et ils croyaient également en leur potentiel. Ils savaient que seuls eux-mêmes pouvaient déverrouiller toutes les portes closes qui s'offraient à eux dans leur vie. Donc aujourd'hui, faites ce choix. Faisons ensemble ce choix de rester dans notre zone de confort et d'abandonner face à la difficulté, ou au contraire, de se dépasser, de persévérer et d'atteindre nos objectifs. Sans les difficultés, les succès ont beaucoup moins de saveur. Sans les échecs ou les défaites, eh bien, les victoires sont beaucoup moins valorisantes. N'abandonnons pas nos idées, nos projets, sous prétexte qu'une difficulté s'offre à nous. Toute notre vie sera rythmée par des difficultés. Faites ce choix de rester dans votre zone de confort et d'abandonner vos projets alors qu'ils sont bons et alors que vous avez ce potentiel. Ou faites ce choix de persévérer, de tenir, de résister et de continuer à développer vos idées. Parce que vos idées sont bonnes, vos projets sont bons et que nous avons tous la capacité de réaliser de belles choses. Nous sommes riches de nos potentiels. Albert Einstein disait « Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. » Cette difficulté doit nous pousser tous ensemble à nous surpasser, à nous dépasser, à aller chercher toujours plus loin, toujours plus fort, et à acquérir de nouvelles connaissances, à acquérir de nouvelles compétences, et à toujours poursuivre nos objectifs, poursuivre nos buts et poursuivre nos rêves. Donc vous avez le choix, soit d'abandonner vos projets, soit de dire non à vos rêves parce que vous êtes confronté à une difficulté, ou alors vous avez le choix de persévérer et de continuer
à courir après vos rêves et à aller développer vos projets parce que vous en êtes capable, parce que nous en sommes capables et j'en suis convaincu. Nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de votre soutien. On reste ensemble, on reste motivé. Je suis persuadé que nous sommes capables de faire de belles choses. Nous avons juste un choix à faire. Sortir de notre zone de confort et persévérer face aux difficultés.